Ouais. Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Tu vas bien? Ouais. Ça va, fiston? Ça va? Ouais, ça va. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, alhamdoulilah. L'un vient du côté droit et l'un vient du côté gauche. Ça va très bien. Mouchahidine, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kima, comme tu veux, actuellement, on a deux joueurs à la JSK. À ma droite, fiston. Abdourazak, exactement. Donc, plus connu sous le nom de Fiston. Fiston, ouais. Ah, très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Ok, merci beaucoup. D'avoir répondu à notre invitation. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Et de l'autre côté aussi, à ma gauche, on a un Algérien. Très fier. Amar aussi avec nous. Avec Saha aussi, c'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ah, bah très bien. Mouchahidine, Kima, pour expliquer un peu les choses, cette émission, c'est une émission de divertissement, ça rigole, ça taquine, donc faut pas se prendre au sérieux. Ouais, très bien. J'ai bien choisi mes clients. Très bien. Alors, on a quelques défis sportifs, billard, bowling, la plage, je ne sais autre. Et on verra qui sortira gagnant de la journée, ok? Mais ouais, c'est moi qui va gagner. Ça s'annonce chaud. Mais le principe de l'émission, c'est que le perdant doit payer quelque chose. Ah, c'est ça, hein. Ouais, y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu payes, si tu perds? Mais 5000 dinars, c'est pas un problème pour moi. Non, on prend pas l'argent. Pas de l'argent? Tu dois payer quelque chose. Un dîner, je sais pas moi, un cadeau. Cadeau. Je sais pas moi, c'est pas de l'argent. Ok, pas l'argent. Dîner c'est bon. C'est bon? Dîner, ouais. Pour lui ou pour moi? Pour les deux. Vous deux, ouais. Ça va être très chaud, hein? Ouais, très chaud. Moi je. Alors, et toi? Je crois pareil, je lui paye le dîner, je lui paye pendant toute une soirée, il fait ce qu'il veut, moi je le suis et je le paye. Ça s'appelle du sponsoring, ça. Ouais. Ça va? Ouais. T'as intérêt à gagner. Alors. Ouais, j'ai. Je te sponsorise. Il fait fort. Mouchahidine, Nihas Blik, avec l'émission, ça va être de la bombe avec deux invités. Bon, on va parler français, mais là, droit arabe, je suis bien sûr. Fais-moi arabe, tu comprends pas. Comme tu es même arabe. Un peu cette vie. Tu parles en arabe. Tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. Mouchahidine, on doit lui mettre la pression. Il doit apprendre l'arabe, ok? Ouais, ou bien Kabyle. Ou bien Kabyle, ouais. Ok. Je vais te battre aujourd'hui. Mouchahidine, donc, le marhala loula li rakom ala balkom dayman adna le billard, adna le bowling et des fois le tir au but ou l'hatta le PlayStation. On va commencer avec le billard. Est-ce que tu es un adepte du billard? Est-ce que tu joues au billard? Ouais, donc ça c'est la cinquième fois que je joue au billard. Cinquième fois. Les as comptés? Ouais, je les ai comptés cinquième fois. Et toi, t'as l'expérience? Moi, j'ai l'expérience. C'est un jeu que je connais bien. C'est pour ça que je vais commencer. Les perdants, ils jouent en premier. Donc, je vais te laisser commencer. Ah, donc tu vas laisser commencer? Je vais laisser commencer parce que je sais qu'il va perdre. C'est chaud, hein? Mais c'est la bouche seulement. On va regarder. C'est lui qui va gagner. Comme on dit chez nous en Algérie, La hadra fitera. La hadra fitera. La hadra fitera. La hadra fitera. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Sur le terrain, ouais. On est d'accord. J'ai dit là. Attends, la partie là, c'est bon. Ah, c'est bon. Pour toi c'est de grand? Hein? Pour toi c'est ça? Ouais, je t'ai posé cadeau là. Hey, Abdourazak. Ouais, je t'ai posé cadeau. La première c'est cadeau. Hey.
Est-ce qu'il va toucher ça, moi? Aïe! Ouais, continue à me donner des cadeaux. Hey, Abdou Razak. C'est la chance du débutant. Ça, c'est la chance du débutant. Attention. Je te mets dans des difficultés toujours. Non. C'est la règle. Oh. Tu ne connais pas. Hey, je t'ai dit. Au hasard. C'est pas au hasard, mon ami. Hey, toi, tu... Ah! Il connaît pas. Non, ici, ça demande de toucher un peu seulement. Ouais. T'as visé zéro. C'est pas mal. Non, je voulais. Eh bien, t'as pas encore. Putain. Comment ça? Ça c'est pas possible. Ça. Hey, Abdou Razak. Ouais! Bien joué! Hey, il a touché pour moi, c'est sanction! Je voulais ramener la balle! Non! Écoute! Ouais, deux fois! Abdou Razak! Merci footballeur, mon ami! Merci footballeur! Abdou Razak! Par chance même! Bien joué! Ah, ça c'est bien! C'est bien comment? Tu me. C'est 11, Hamroun! Hamroun, il a pas aussi bien avec nous! Ah ouais? Tu joues bien? Ouais! Hamroun avec. Oui! Abdou Razak! Abdou Razak, il a fait une remontée spectaculaire! Remontada! Ok, tu vas arrêter mon ami. Si tu mets, j'arrête. On rentre, je te paye à partir de maintenant tout ce que tu veux. Attention. Yes. Yes, comment? Mais toi t'es fou, j'ai commencé à toucher mon. J'ai touché pour moi. C'est pas dire que. Yeah. Il est nul. Je vais approcher un peu. Ah, tu peux mettre ça. Là, tu vas perdre. Tu te concentres pourri, hein, regarde. Attends, c'est ici. Ah non. Comment ça? Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je t'ai mis, j'ai mis le mulet. C'est toi qui as inventé ça.
Mets la mienne. Faut pas faire. Ah voilà. Bien joué. Je termine. Putain. C'est pas facile. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Débrouille-toi, ça sert à quoi ça? Débrouille-toi. Toi, tu connais le bien, toi? Toi, t'as un grand joueur de bien. Attends. Avec, écoute, ça, tu mets avec la gauche. Ouais. Tu tiens avec une main, et l'autre main, tu tiens. Voilà, et l'autre main, tu tiens, tu mets. Ok, ok. Là. Mais si je vais louper ça. Tu vois, ça, et tu frappes. Ah. Hey, hey. Bien, mais des fois, non, c'est des fois. T'as loupé, ouais, t'as loupé là-bas. Ouais, non. Aya fiston, aya fiston, marana chimble. Yeah, I never see this. Yes. Hey, mon ami, je suis très bon. Hey, le dîner. C'est terminé. C'est pas possible. La poule, elle était là. Pourquoi tu mets là? Elle était là. Mais tu fais quoi, mon ami? Mais il n'y a pas d'espace ici. Normalement, on met ça. Non, on fait comme ça. Ouais. De début, on faisait comme ça. Il faut que tu frappes fort. Doucement. Yes! 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 Je t'ai dit, mon ami, que je vais gagner. Mais c'est que la première, manche. On va faire de Dieu là. Abdoul, top là. Franchement, champion. Fais comme champion. Dans le box, on fait comme ça. C'est soulève-moi, ah, ouais. Mais non, écoute, on passe en flamme. Ouais. Ce n'est que la première partie. Ok, il n'y a pas de problème. Tu gagneras à la fin. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Tu mènes un but à zéro. Ouais. Un but Sidi Abdoul Razak à la 20e minute de jeu. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. C'est la chance. Non, c'est pas de la chance, mon ami. C'est pas la défaite. Ton prochain parti là. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler trop. Je parle pas trop. Il s'énerve pour rien. Mais beaucoup de tension. Le chef, je te dis. Beaucoup de tension. Ouais. Ça va être dur. Ça s'est joué à rien, il restait une boule chacun et il a mis avant moi et du coup il a réussi à rentrer la mort avant moi. Je vais prendre ma revanche tout de suite là. Mais ouais, moi j'en reste pas là. Mais pourquoi je vais pleurer? Mais c'est normal, c'est normal, mon ami. Ça restera comme ça. Je vais faire une confidence. C'est la partie la plus nulle de l'histoire du billard. On aurait pu rester ici 24 heures. 24 heures. Bon, c'était nul. Mais bon. Le roi des nuls, c'est Fiston, c'est lui qui a marqué, qui a gagné. Ouais. Un but à zéro. Tu sais, même à l'entraînement, lorsqu'on fait des coups francs, quoi, c'est moi, ouais, je gagne toujours, je gagne. T'es béni, toi. Ouais, donc, c'est pas. T'as la chance. Ouais. Mais jusque-là, t'as pas encore gagné, parce que ce n'est qu'une partie de remporter. Ouais. Il reste encore, on va y aller faire du bowling. Bowling, ouais, là je joue le bowling. Ouais. Tu joues souvent? C'est là, ça va être quatrième fois dans ma vie. Ouais, quatrième fois. Ce qui est bien, il compte. Hein. Ouais, je compte. Tout, ouais. Il compte bien. Ouais, je suis très concentré. Quatre fois, franchement. Ouais. Tu m'impressionnes. Ouais. Et toi, t'as l'habitude de jouer au bowling? Oh, quelques fois. J'ai pas compté comme lui. Mais j'ai déjà joué un peu. Ça va. Une petite expérience. Bon, j'ai été là, Kim Ajuto. Pour l'instant, Fiston Tour. Est-ce que Amaouche va égaliser?
ou bien Fiston va prendre encore plus l'avantage. Après demain, on va voir. Allez. Yes. Hey, faut viser les qui, hein, pas à côté. Laisse-moi tranquille, mon ami. Pas dépasser ça. Ouais, ouais. Pas ça. Hey, toi, t'es tricheur, hein. Ok. Toi, t'es un grand. Hey, viser, faut viser les qui. Hein. Hey, mais toi, t'es jaloux, toi. Mais c'est bon. C'est pas mal. Yes. Ah, t'es fou. Hey, non, non. Hey, non, non. Il faut pas tricher, mon ami. Non, hey, c'est mon ami. Zach. Comment il a la chance comme ça? Ah! You! I never see this in my life! Yo! C'est l'occasion. Donne. Ok. Toi, t'es fou, toi. Maîtrise à bout. Non. Regarde là où il est. Regarde. Il est dépassé là. Il est venu ici. Tu t'imagines. J'ai tiré avant. Il est venu. Là-bas. Allez là, là-bas. Ouais. Ouais mais il est venu ici, il a fait ça par ici. Mais ça c'est pas normal. C'est dernier. Normalement c'est bon, hein. C'est bon. Champion. Il sort du temps. Il reste encore. C'est bon. J'ai été Kima Jifto, encore une fois. Abdulrazak s'impose et c'est le dernier. 2-0.
Un commentaire. À zéro. Un commentaire sur cette nouvelle victoire. Ouais, je suis très heureux, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'étais très concentré plus que lui. Et c'est ça le secret, raison pour laquelle j'ai gagné. La victoire, elle est de 45 à 35. 45 à 35, tu t'imagines. Lui, il a déjà joué ça plein de fois. Moi, c'est la troisième fois qu'il joue bowling. Tu t'imagines. Comment tu expliques cette performance? En France, peut-être. En France, est-ce qu'il y a ça en France au moins? Aujourd'hui, il est dans un grand jour aujourd'hui. Mais c'est pas fini, il reste deux victoires. Et c'est fini, mon ami, reste un seul jeu. C'est pas possible. On va essayer de trouver une solution. Maintenant, on va y aller sur, disons, le terrain. Le terrain, c'est votre jeu, disons, votre jardin favori, voilà. Ouais. Et c'est là-bas qu'on verra qui va triompher. On va laisser une chance à notre ami Amaouche qui pourrait, s'il réduit l'écart, on va lui laisser les chances, voilà. La chance d'essayer de gagner. Mais pour l'instant, c'est Fiston qui mène la danse avec 2-0. C'est pas fini, j'y crois. Il y croit encore, donc vous savez, on va aller au terrain, tirer au but, je vous connais, mon Fiston. Ils me connaissent. Raison pour laquelle ils rigolent. Ils me connaissent. On fait ça tout le temps. Tu vas. T'es mort, mon ami. T'es mort. Avec la caméra, évidemment, vous avez été là. Nous avons fait la dernière étape de l'aujourd'hui. Nous avons le terrain. Oui, les joueurs se sentent à l'aise, c'est plus sur le terrain, exact. Ouais, c'est le terrain. C'est le terrain qui va juger, ouais. Qui va juger. Donc, vous avez dit que nous avons fait des tirs au but pour les départager. Quoique pour l'instant, disons pour l'instant, logiquement, c'est Fiston qui gagne la journée. Puisqu'il mène 2-0, il ne reste qu'un seul défi. Mais, on va laisser la chance à Maouche. À notre ami Maouche. S'il marque le point, je vais programmer un dernier défi qui va vous départager. Parfait? Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Donc, Mouchaïdine, on va commencer au but. Ça va, je fais souvent goal ou jamais? Je fais rarement goal, moi. Moi, je préfère tirer les pénaltys. Après, je sais que Fiston, il est pas mal au but. Ah ouais? À l'entraînement, quelquefois, il prend les dents. Et il s'en sort pas mal. Mais là, je suis très concentré. Je peux pas me permettre de le laisser gagner. Je vais pas le laisser gagner. Maintenant, il est concentré. Hein. Ok, on va voir. T'as pas peur? Non, moi, je parle pas beaucoup. Je fais des actions. C'est moi qui ai des actions. Ah là là, ça promet d'être chaud. Allez, on y va. Hey! Abdourazak! Abdourazak! Hey! Aïe! Putain de merde! Il a sauvé! Zizou! Hey! Ah! Putain de merde! Va chercher! Alors, finalement... Mais quand même, c'est le Burundi qui est le vainqueur. J'ai gagné pour aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vainqueur. L'Algérie, le Burundi, font match nul, deux buts partout. On ne sait jamais peut-être qu'on va se voir à la carte. Ouais, peut-être. Donc, pour l'instant, peut-être. On a deux buts partout. On va faire un dernier défi pour voir qui va l'emporter. Ouais. Allez. Ha ha ha!
2. Mais il est trop lent. Il faut être rapide. Trop lent. 2. Vas-y. Mais lui, il est trop lent. Il part pas rapidement, rapide comme moi. Lui là, il est trop lent. Oui, il part comme ça. Tu crois? Ok. Yes! Yes! Ah! Ah! Yes! Abdul Razak! Yes! Ah! Voilà. Ça, c'est bon. C'est qui le vainqueur? Non! C'est deux! Quoi? T'as gagné deux fois, j'ai gagné deux fois! Jamais abandonné! Penalty! C'est penalty! Franchement, chapeau! Merci Saïd! Chapeau! Par contre, je vois qu'il y a une contestation de la part du Burundi et d'Algérie qui n'accepte pas peut-être la défaite. Il dit que il faut départager encore. Ouais, pour regarder le vainqueur, ouais. C'est vrai que ça fait 2 à 2, tu reviens fort. C'est un peu. On va donner, disons, du crédit au match qu'il a gagné, au point qu'il a gagné là-bas, au billard et aussi au bowling. Moi, je vous propose un truc. Ouais. On va mettre un terme à tout ça. Ouais. Avec des tirs, disons la transversale. Ouais. 3 tirs chacun. Ouais, ok. On fait ça? Ok, on fait ça. Range. Et là, il y aura un winner. Abdul Razak, ouais. Il restera qu'un. Ouais. On a dit là-bas. Ah non, il doit. Parce que moi j'ai visé ça. Non, il savait, j'ai triché. Non, je savais pas. J'ai dit la transversale. Ouais. Voilà, la transversale. Attends, mais la transversale. Attends, écoute. C'est quoi la transversale dans le football? Mon ami, c'est pas français. C'est pas français, donc je comprends pas tout le mot. Allez. Tu vois? Le filet, c'est bon, c'est la transversale. Le filet, c'est bon. Ah. T'as pas même raté, mon ami. Yes! Abdul Razak! Abdul Razak! Abdul Razak! Abdul Razak! Yeah! 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 Top! Top! Ah! Il n'a pas même loupé! Mais toi, t'es fou, toi, hein? Y'a pas là, y'a pas vu. Ouais. Y'a pas là-bas, tu remets. Yeah! 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 Abdul Razak! Yeah! Champion! Jamais il perd! Jamais! Le Burundi, jamais il perd! Jamais! Oh.
Kevin. Laisse-moi tirer le dernier. Notre ami Burundi. L'arbitre, il a fait tout ce... Il t'a donné un pénalty en plus, l'arbitre. Non, mais c'est l'arbitre, bon, j'ai gagné, tiré. Mais non, il a augmenté de... T'as tiré en premier. Il a gagné. L'Algérie l'emporte, difficilement, mais elle l'emporte. Mais compte tenu des efforts qu'il a fait aussi, moi aujourd'hui, je dis match nul entre les deux. Ouais, c'est... Je dis match nul parce qu'à la base on devait faire trois numéros, mais tu t'en sors bien. Je m'en sors bien, c'est vrai, mais c'est vrai, l'Algérie, on est accueillant, on t'accueille bien. Donc on va rester sur le match. Ok, merci beaucoup. Comme ça, nos amis du Burundi vont pas être fâchés. Ouais. Ils vont se dire que on a bien accueilli notre invité. Ouais, okay, c'est comme vrai. Ça, il va à la canne avec la confiance aussi un petit exactement. Peu. Ah, exactement. Mais franchement, ça a été très serré. Jusqu'au dernier moment, ça a été très serré. Et sincèrement, ça a été une journée exceptionnelle. Franchement, j'ai eu la chance de travailler avec deux mecs génialissimes. Regardez comme ça. Moujahidina, qui m'a dit aujourd'hui, on a vu les joueurs de la GSK d'une autre facette. Abdel Zahran chevaurait sur le terrain, mais au final, on l'a vu sur le. Disons, dans un autre registre, avec une mentalité exceptionnelle. Pareil pour Amaouche, peut-être les gens, Nesma Yarfoukoum, je suis bien. Aujourd'hui, ils ont appris à vous connaître, et t'es comme ça. Ouais. Maintenant, au fait, qui va payer à qui maintenant? Vu que c'est match. On va partager après. Et voilà, ouais. Alors, vous allez partager. L'Algérien, il accueille le Burundien, il l'invite aussi alors. Ah ben. Pas de problème. T'es gentil, mon ami. Ce soir, on est ensemble toute la soirée. Ok, merci, merci beaucoup. Donc on va bien la finir. Ah ben, Moujahidina, avec eux, on va terminer avec la journée, mais avant cela, comme d'habitude, on va faire une petite interview, disons un peu décalé. On va connaître encore plus notre ami Burundi. Ouais. À 2h, t'es prêt? Ouais, c'est prêt. Toujours prêt? Ouais, toujours prêt. On y va alors. Ouais, c'est là. Pas de mal. Champion. Qu'est-ce que vous faites à Tizi Ouzou lors des... Parce que le thème de notre émission, c'est day off, c'est la journée, disons, off, là où il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match. Qu'est-ce que vous faites généralement à Tizi Ouzou quand il n'y a rien, disons, le programme, il n'y a pas de match, il n'y a pas d'entraînement? Il n'y a pas de match, on se repose, parce qu'en général, on a entraînement tous les jours. Donc le repos, il est important dans le programme de la journée. Et sinon, ben, on essaie de se retrouver un peu entre nous, on joue à la PlayStation, on programme des petits dîners ensemble pour pouvoir justement maintenir la co. On est une famille, donc on essaie de ne pas rester chacun tout seul chez soi et tout ça, c'est pas très bon pour le moral, c'est bien de libérer un petit peu. Et donc on se retrouve entre nous, voilà, des fois on est venu quelques fois ici jouer au bowling aussi, par exemple, c'est un exemple, mais voilà, on vient se promener à Alger, il y a les joueurs qui habitent à Alger, ils nous accueillent chez eux, c'est ça. Donc c'est vraiment on est une famille et on essaye à chaque fois de faire en sorte que tout va bien, quoi. Est-ce que tu es parti en Haute-Kabylie? Est-ce que tu es monté dans les montagnes kabyles ou pas encore? Ouais, j'ai parti, je ne me souviens pas le nom de là où j'ai parti, mais c'est lorsque ça, il y avait des neiges, tout, j'ai parti là-bas, j'ai visité un peu. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, ouais. Est-ce que tu as été surpris par les paysages, par exemple en Kabylie? Je sais qu'il y a pas mal de... Quand il y a des joueurs étrangers qui arrivent en Algérie, surtout à la GSK, quand ils découvrent la Kabylie, ils sont stupéfaits des paysages et tout. Moi, je les ai trouvés normal, surtout lorsque j'ai parti là-bas aux montagnes pour visiter. Il y avait beaucoup de monde. Donc j'étais même surpris. On est parti même à l'école parce qu'il y a des jeunes qui voulaient me voir. J'ai parti là-bas, il y avait beaucoup de monde. Donc j'étais fier de moi-même avec
Tu sais, actuellement, tu es l'ambassadeur du Burundi. Ouais. Donc, quand tu vas rencontrer des gens, tu représentes plus ta famille ou ton propre nom, tu représentes tout un pays. Ouais, surtout, c'est la première fois qu'un Burundais joue en Algérie. C'est ça. Ouais, donc c'est le premier joueur qui joue en Algérie. Donc, c'est une fierté supplémentaire. Ouais, c'est une fierté. Je pense que c'est l'occasion de mon pays être populaire ici en Algérie parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Burundi. C'est ça. Mais ils me demandaient ce que c'est en Europe. Ah ben c'est bien ça. Je pense que vous vous êtes bien reposé. C'est l'heure un peu de se lever un petit peu, marcher un petit peu. On va changer un peu de décor là dehors, ok? Ok. Allez, on y va. Parti. La classe. Alors, de retour, on a parlé un peu de l'intégration que vous avez eu ici en Algérie. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez proche en dehors du terrain. Chacun de vous raconte une anecdote sur l'autre. Une anecdote qui peut être rigolote ou je sais pas. Allez, vas-y, commence. Mais tu commences, toi. Raconte une petite anecdote, un truc entre nous. Entre nous? Ce qui me fait rigoler, c'est parce que lorsque j'ai arrivé dans la GSK, premièrement, j'ai commencé à faire des coups francs avec lui pour voir qui est le meilleur. Et lui me disait qu'il est le champion de la France. Lui, il fait des... Tu vois? Après, j'ai dit, ok, on va voir Burundi contre l'Algérie, qui est le meilleur. Après, parce que moi, j'ai beaucoup de qualités. Moi, je peux être gardien de but, ouais. Je peux être buteur aussi, tu vois. Après, c'est on a fait 4 mois. Je gagne toujours. 4 mois, tous les jours. Après l'entraînement, on prend des ballons et je pars dans le but. Il tire. Après, moi aussi, je vais tirer. Donc, pendant... 4 mois. Tu gagnais toujours. J'ai gagné toujours. Et jusqu'à maintenant, tu gagnes. Même avant-hier, on a joué au tennis, des fois on fait des pénaltys. J'ai gagné jusqu'à maintenant. Donc lui, il est fort. On parle. Il parle trop. C'est ça son problème. Et je lui conseille toujours, mon ami, il ne faut pas parler trop. Il faut montrer sur le terrain, il ne faut pas parler trop. Ah, il t'a clashé. Donc, ouais. Il m'a clashé. Bon, j'ai quand même gagné quelques fois, il abuse un peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il gagne, il a des grandes qualités. Ouais. C'est un très bon gardien. Après, des fois, il vient chez moi, il me demande quel est votre secret? Mais pourquoi tu. Avant-hier à l'entraînement? Parce que moi j'ai l'habitude de faire, lorsque tu me donnes passe aérienne comme ça, je bloque ça ici sur la poitrine comme ça, tu vois? Mais il m'a dit, mais toi, colle ici, mais pourquoi lorsque tu mets le ballon ici, il ne sort pas, ouais, ça colle, c'est quoi ça? Donne-lui le secret. Je lui ai donné le secret, je lui ai donné, après il a pratiqué ça, il a... Ouais, je lui ai dit que tu vois, tu mets comme ça le bras. Tu dois mettre ça comme ça. Ouais, tu vois, comme ça. Lui, ce qu'il faisait, il faisait comme ça. Après, le ballon va passer ici, le ballon va... Je lui dis, lorsque tu fais ça, le ballon va rester ici. Après, il a essayé, là. Ouais, c'est vrai, tu vois. Tu peux devenir coach. Ouais, je peux devenir coach, ouais. Et d'ailleurs, lorsque je vais terminer ma carrière, je vais être coach. Quand il est arrivé du Burundi, il est arrivé, il a ramené sa PlayStation, tout. Et je lui dis, c'est pour ça que tu as ramené la PlayStation. Il dit, moi je suis champion du Burundi, je suis le meilleur, j'ai jamais perdu. Il dit, quand je vais en sélection, je bats tous mes collègues. Je regarde Fison, je dis, ok, on joue, mais on joue 3 matchs, c'est lui qui gagne. Le lendemain, il prépare tout le petit déjeuner complet à l'autre, tartine, tout, il prépare tout. On était à l'hôtel. Et on joue, je gagne les 3 matchs, le lendemain, je me réveille. Je vois mon petit déjeuner, il est préparé, il a fait les tartines. Il savait pas c'était quoi les tartines, hein. J'ai dit, c'est quoi les tartines? Il m'a fait tartines, il m'a tout ramené dans la chambre et tout. Ah donc il a tenu promesse. Ah il a tenu promesse. Quand il perd, il tient promesse. Ah, Bon, aujourd'hui il a perdu, mais je sais pas s'il va tirer la promesse. Bah, aujourd'hui il y a match nul, je répète. Oh, et lorsqu'on était chez quelques moi, après, j'ai gagné, après on est parti chez toi. Quelques temps après, on a joué 20 matchs d'affilée FIFA. 20 matchs. Il n'a pas gagné une seule fois. C'était il a pas fait un match nul. C'était quelle année?
Je t'ai connu quand? Je t'ai connu cette année. C'était il y a 2-3 semaines. 20 matchs d'affilée sans qu'il gagne un seul match. Oh là, c'est la honte ça. C'est la honte. Dis, c'est la honte. Il me dit champion du Burundi. Normalement, champion non, du Burundi. Non, tu sais, moi j'ai fait exprès. j'ai joué avec. Une équipe africaine, après lui, il a pris, je sais pas, c'est PSG. Non, il a pris Barcelone. Je pensais qu'il était perdant. Je pensais qu'il était perdant. Et après, j'étais fatigué même. Je venais de l'entraînement, tu vois. C'est fatigant. Ouais, mais il faut lui demander, lorsqu'on a joué, j'ai mis mon argent là-bas, je lui ai dit, il faut mettre la jatte aussi. J'ai gagné 6 matchs chez moi, tu te souviens? Est-ce que je mens? Lorsque. Dis Wallah. C'est pas vrai. Dis Wallah. C'est Ramadan. Dis Wallah. Il peut pas jurer. J'ai mangé de l'argent comme ça. Après, je lui ai donné son argent. Non, je peux pas manger ton argent. Je peux pas. C'est pas bon. J'imagine depuis le temps que vous êtes à Tizi Ouzou. Bah, toi, t'es kabyle. En principe, tu dois connaître quelques mots. Je connais quoi? Je connais quelques mots. Il connaît beaucoup, mais. Je connais plusieurs mots et les joueurs ils m'ont appris pas mal de mots parce que quand je suis venu je connaissais pas plus de mots que ça. Et les joueurs ils parlent en entendant parler Kabyle et tout ça, j'ai appris pas mal de mots. Et... C'est quoi Azoufleum, c'est tout? Non, je connais... Ça c'est ce que tout le monde dit tous les jours, ça c'est ce qu'on a le mieux retenu. Après il y a plein de petites choses, quand on demande de l'eau, à Widaman. Allez, on va poser la question à Abdoul. Qu'est-ce que doit. Bon, lui il est Kabyle, donc en principe il doit connaître. Toi, ouais, il doit connaître. Voilà, toi t'es... Mais je suis étonné, il est comme moi. Je sais pas. tu t'imagines, ouais, il est étranger comme moi. Parce que moi aussi je connais Azul Filaouen. Acher. Tu vois, moi je connais même plus. Ouais, lui il est Kabyle. Allez, j'ai dit quelque chose en Kabyle. En Kabyle. Il dit de mettre Fahmot. Mais c'est la guerre en Kabyle. Quoi? Qu'est-ce que tu sais dire en Kabyle? Qu'est-ce que je sais dire? Qui est Azul Filaouen, Akher? Ouais, il y a des autres mots. Il y a des Inwawigi Imazire. Ah, Inwawigi Imazire. Ouais. Là, Imazis Pillet, tu sais, tu connais ça. Ouais. Essaye d'entonner un peu. Vous, tous les deux, chantez-moi un couplet un petit peu de cette chanson. Ouais. Je commence et tu continues. JSK, Ismi Mazis Pillet. Attends. Alamim. Non, il faut être patient, mon ami. Moi, toi, tu connais cette chanson, moi aussi, je connais une autre chanson. Bah, chante. Toi, tu chantes pour toi, moi aussi, je vais chanter pour moi après. Ouais. C'est pas Kabyle, est-ce que Aziz chante? Et c'est Kabyle, parce que j'ai appris ça ici, donc c'est-à-dire que c'est Kabyle. Ah, il y a sa chanson, t'as chanté ta chanson. Ou bien moi, je dois commencer. Vas-y, chante ta chanson. Yélé, 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 yélé. Yélé, 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 fiston, tricité. Tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est bien. Tantôt, hein. Abdoul Razak. Elle est bien. Ça. Ouais, bien. Tu sais, tu connais l'origine de cette chanson. C'est un chanteur kabyle qui s'appelle Alawa, qui l'a chanté il y a quelques années. Ouais. Et avant cela, il y avait un joueur Yassef, qui était comme un... Ouais. C'est un talent pur, donc cette chanson elle a été dédiée pour lui. Mm. Et là maintenant, on te la chante. Ça te fait plaisir de te la chanter? Ouais, plaisir. Parce que même il m'a raconté même l'histoire, il m'a dit, après le jeu là, donc c'est toi, donc on chante ça pour toi. Donc, Yassef, donc c'est toi qui as été. Et toi, j'ai bien aimé comment t'as chanté. Ouais, les chants kabyles, de toute façon, ils sont beaux. Hein. Surtout quand tu les vis depuis le stade, les chants kabyles. Allez, tu me refais le refrain là, que tu as mis, que tu as entendu maintenant. Ismi Maziz. Voilà. JSK, Ismi Maziz Fille. Allez, tu applaudis. Ouais, ok, je vais applaudir. Rien à la cœur. Inwa Wigi. Imazire. Inwa Wigi. Imazire. Champion, Inch'Allah. Fiston, ya fiston. Ouais, je connais. Aya fiston. Aya fiston, marale shimla. Oh, 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 oh. Oya fisto marale shimla. Oh, 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 oh,
Tu vois, je connais. Parfait. Ouais, il y a beaucoup de... Ça te fait plaisir quand même dans, que tu... Voilà, tu as beaucoup de chants à ta gloire. Quoi? Beaucoup de chants à ta gloire. On parle de toi, on chante tes... Ouais, ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. Et en Burundi aussi, on chante comme ça va. Ouais, au Burundi. Comment on fait en Burundi? Non, Parce qu'il y a des gens du Burundi qui nous suivent là aussi, donc il faut leur rendre hommage et chanter leurs chansons aussi. Ouais, seulement il m'a surnommé, il m'appelle 4G. Donc, 4G. Ouais, 4G. Parce que tu marques 4 buts. Ouais, surtout match contre Soudan, j'ai marqué 4 buts. Donc c'est un peu partout, on m'appelle plus Fiston, donc c'est 4G. Il faut penser à devenir 5G. Ouais, 5G, ouais. Ouais. La GSK. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Ouais. Je vais poser aussi, je vais commencer par Maouch. On sait qu'il y a des joueurs, par exemple, par superstition, avant de débuter un match, dans les vestiaires, ils portent par exemple, je sais pas, un truc spécial ou ils ont un truc à faire avant un match. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ouais, on se réunit tous ensemble. On se réunit tous ensemble. On... Je parle pour toi beaucoup plus. Est-ce que tu as un truc à faire? Toi, tu pas fais, tu fais l'équipe. Avant un match de foot, dans le vestiaire. On essaie de répéter tout le temps les mêmes choses, les jours et notamment la veille de match, pour être au meilleur de notre forme le jour du match. Après moi, personnellement, je joue toujours avec les mêmes chaussettes. J'essaie de mettre tout le temps les mêmes chaussettes. Après, c'est dans la tête, c'est pas... C'est voilà, donc j'essaie de mettre tout le temps les mêmes chaussettes. Ça réussit. Et ça réussit, ça fait quelques années que je les porte maintenant. Donc, et toi, Abdou? Moi, je porte et... Si je marque avec, par exemple, le crampon que j'ai joué avec, je peux pas changer. Ouais. Ouais, donc je vais jouer avec des crampons. Tu gardes le. Je garde le parce que ouais, c'est comme si c'est des crampons de chance quoi. Donc je garde ça toujours. Je joue ça avec. Parce qu'il y avait des crampons Adidas. Il y a même notre joueur Mohob. Mohob me disait, mais pourquoi tu donnes ça aux jeunes ça? Pourquoi tu ne jettes pas ça? Je disais, non, je ne peux pas jeter. J'avais beaucoup de crampons, ça je ne peux pas jeter. Parce que tu... Je marque avec ça, donc je dois garder ça. Dans quelques jours, il y aura le début de la CAN, Fiston. Ouais. Est-ce que justement, cette CAN, comment tu l'aperçois toi-même et aussi le Burundi, comment tu le vois? Non, pour moi, je ne peux pas prendre ça comme quelque chose de spécial, tu vois. Donc, pour moi, c'est normal. Et comme je sais qu'il y a des pays qui sous-estiment Burundi, et c'est là où que nous aussi, on va profiter de ça. Et aussi, comme on va commencer avec Nigeria, j'ai vu même sur les réseaux sociaux, ils disent que vous êtes même poule avec Burundi, je ne sais pas, Madagascar, ça va être très, très facile. Là, automatiquement, c'est vous et vous êtes qualifié. Mais ce n'est pas comme ça. Raison pour laquelle je dis toujours qu'il y aura beaucoup de surprises. Tu espères rencontrer l'Algérie peut-être en quart de finale ou... Ouais, parce que on est bien déterminé. Et j'espère qu'Inch'Allah, on va passer premier tour. Mais on va arriver même en demi-finale, quoi. Parce qu'on est très très décidé. Demi-finale, bien sûr. Il lance les choses. À ton arrivée, je me rappelle à l'aéroport d'Alger quand tu es arrivé, tu promettais 15 buts avec la GSK. Ouais, 15 buts, ouais. Mais comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Je partais dans l'équipe nationale, j'ai raté beaucoup de matchs. Mais Inch'Allah, avec les 4 matchs qui restent, je vais essayer de. Tu vois? D'arriver à ce chiffre. Ouais, je vais essayer, tu vois? Inch'Allah, en tout cas, je vous remercie franchement pour cette journée encore une fois. Ça a été, disons, un moment de détente exceptionnel. J'espère, je vous souhaite pas mal de réussite dans votre carrière. Encore plus pour toi, Fiston, avec cette CAN qui arrive. Ouais. Un dernier mot pour les téléspectateurs de la TEF avec ce mois de Ramadan, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ouais, c'est que je peux les... Supporter de la GSK. Ouais, supporter de la GSK. C'est que je peux le dire que c'est le mois qu'il doit faire la carême.
pour profiter aussi de prier pour nous, pour notre équipe. Peut-être c'est l'opportunité de peut-être d'être champion pour le doigt qu'il va faire pour nous. Et surtout, il doit faire le carême là. Donc c'est obligé quoi. Comme dans le Coran, je ne sais pas si je peux dire ça, ouais, tu vois. Dans le Coran, il y a là où Dieu ils disent que. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم شهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دونك Tu es obligé de faire soum. Peut-être si tu es malade ou bien tu es en train de voyager, tu vois. Tu peux manger, mais après tu vas payer. Donc c'est obligé quoi. Donc il doit faire carême, le ramadan. Et après il va profiter aussi de prier pour notre équipe, pour être champion, Inch'Allah. Donc c'est ça. Ouais. Parfait. Dernier mot. Bah, tout simplement remercier les supporters de la GSK pour ce qu'ils font depuis le début de saison. Ils nous suivent partout. Si on en est là, c'est en grosse partie grâce à eux. Et voilà, qui continuent tout le temps à être derrière nous, surtout pour cette fin de championnat qui va être intense. Et comme dit Fiston, profitez de ce mois béni pour pouvoir nous faire des invocations et puis pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse continuer sur notre lancée. Parfait. Et voilà.